Hey guys, aujourd'hui on se rejoint pour la première édition des Fall Vlogs. Alors attendez, je vais vous poser le temps de boire mon café, comme ça je vais vous expliquer un petit peu. Alors, mon petit café. Oh là là, mes ongles, ça m'énerve, je me fais les ongles et pourtant genre ça tient pas, ça me saoule. Du coup, c'est toujours dégueu. Aujourd'hui on se rejoint dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente, c'est un nouveau concept que j'ai envie de mettre en place parce que j'adore l'automne. Comme peut-être certains le savent. Sauf que l'automne, généralement, c'est un moment où je me sens pas forcément bien parce que c'est à l'arrivée de l'hiver et l'hiver, c'est la période dans l'année auquel le système se sent pas bien. Et comme on vous a dit dans une vidéo précédente, cette année, on a décidé de marquer un petit peu plus le temps par rapport à notre chronophobie, à notre hyperactivité, etc. qui fait qu'on voit pas forcément le temps qui passe correctement. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tous les ans, peut-être, si j'arrive à le tenir, faire des vlogs au niveau de l'automne. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas faire un vlog par jour. Après, je me suis dit, peut-être deux vlogs par semaine. Mais vous commencez à nous connaître, je pense que si on se met des conditions, etc., ça, on va jamais les respecter. Donc ce que je me dis, c'est que je filme quand j'ai envie de filmer. Si j'ai envie de filmer tous les jours et de vous sortir un vlog par jour pendant 2-3 jours, je le fais. Sinon, je vais peut-être pas sortir de vlog pendant une semaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pensé à ce concept et je me suis dit que ça pouvait être trop cool voilà, de faire ça. Ah oui, petite aparté, je suis Céleste. Alors j'ai Lia qui est en cofront avec moi. Mais là, c'est Céleste qui vous parle. Donc je suis une acteur que vous allez peut-être voir souvent durant ces faux vlogs ou vlogtubeurs. Encore une fois, j'ai pas l'idée pour le prénom. Et c'est sûrement moi que vous allez voir très souvent parce que en ce moment je suis là un petit peu tous les jours. C'est notre taille hein. Je sais pas s'il est censé être 3/4 ou si juste on a des bras immenses. Ce premier vlog, c'est une petite mise à jour, même une grosse mise à jour que je vais devoir faire chez moi, tout ça, pour pouvoir être bien. Donc aujourd'hui, ça va être du ménage, ça va être un peu de tri, ça va être faire du linge. Enfin, voilà, un petit peu préparer l'appart. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en ville pour aller acheter quelques petites décos pour l'appartement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir peut-être chez Action, la Foire Fouille, je sais pas si hein, j'y suis en ville, pour essayer de trouver quelques petites décos d'automne, pour essayer de décorer un petit peu notre appart sur le thème de l'automne. Aujourd'hui, j'ai pris ma journée sans beaucoup de travail, mais j'ai quand même quelques petits trucs à faire du style de collab, c'est ça. J'ai deux collabs à faire aujourd'hui donc il faut que je les filme. Mais voilà, je sais tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Sinon on s'occupe de l'appartement. Parce qu'on ne peut pas être sain dans un environnement qui n'est pas sain. Je finis mon café et c'est parti. Alors tout d'abord je vais faire mon sac. Je vais mettre ma caméra dedans. Je vais mettre mon budget et mes écouteurs dans la petite pochette. Et ensuite je vais mettre le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est La Wicca de Scott Cunningham. Je sais que c'est un basique, mais moi j'en ai pas beaucoup souvenir, vu que c'est Lia qui l'a lu et pas moi. Et du coup j'aimerais le relire. Voilà mon petit outfit que j'adore, je le trouve vraiment trop trop beau. Les couleurs de l'automne, je trouve ça tellement tellement beau, je suis fan des arbres à cette saison-là. Je suis passée par le marché à côté de la cathédrale parce que je trouve ça trop mignon les marchés. Et en plus, il y avait un petit marché de fleurs à côté, donc c'était vraiment trop beau. Et on arrive tout d'abord chez Action. Parce que mine de rien, ils ont quand même des trucs sympas parfois. Rien à voir, mais j'ai pris des torchons parce que j'en ai plus et que j'en avais absolument besoin. Par contre, j'ai été vraiment choquée, on est que début octobre, ils ont déjà mis toutes les décos de Noël en rayon, il n'y a presque plus rien pour l'automne. J'ai trouvé ces petites branches aux couleurs de l'automne qui étaient vendues à l'unité, donc j'ai décidé d'en prendre plusieurs pour faire un joli bouquet. Il y avait sa petite boîte remplie de petites décos d'automne, donc je l'ai prise aussi. Un lot de 3 petites citrouilles trop trop mignonnes, donc ça part avec moi. Honnêtement, est-ce que je sais ce que je vais faire de ce panier? Pas du tout, mais il est très mignon, donc ça part avec moi aussi. Quoi de mieux que des bougies à la senteur de l'automne pour se sentir bien chez soi? Donc il y avait cette bougie à la pomme cannelle qui sent vraiment vraiment trop trop bon. Après j'ai pris un lot de 3 bougies de différentes tailles, une rouge, une orange et une noire. Là j'étais partie dans le rayon bougie, je voulais tout dévaliser. Celle-là sent trop bon, elle est au bois de santal, donc je la prends aussi.
Il y avait ces petites bougies là qui sont aux couleurs de mon appartement et qui sont vendues avec apparemment des propriétés. Il y avait cette bougie là aussi bordeaux qui sentait trop bon. Alors ça, ces petits rondins de bois là, j'adore, je trouve ça trop beau. J'ai décidé de prendre celui qui était le moins parfait parce que ça fait le plus naturel et ce sera pour poser mes bougies dessus. J'ai déambulé dans les rayons à la recherche de quelques petites décos d'automne, mais c'est super difficile étant donné qu'ils ont déjà mis les décos de Noël partout. Donc je me débrouillais avec ce qu'ils proposaient et au final, je suis pas vraiment déçue. J'ai quand même trouvé certaines pépites. Un petit vase pour mettre mes bouquets de feuilles et j'ai trouvé ces petits bols en bois qui étaient trop mignons, donc j'en ai pris 4 et je vais sûrement en utiliser 2 pour les gamelles de mes chats. Il y avait ce plat en bois aussi vraiment trop beau qui fait vraiment bois naturel et ça j'adore. Bon, je viens de sortir, j'ai récupéré tout ça. Alors Action, vous avez augmenté vos prix hein. Et là on va aller à la foire fouille qui est juste là pour compléter parce que j'ai pas vraiment trouvé tout ce que je voulais, même si j'ai plein de trucs, je suis trop contente. Une fois rentrée dans la foire fouille, j'ai halluciné. Eux aussi, ils ont déjà tout mis pour Noël, mais alors là, ça occupe la moitié du magasin quoi. Après, d'un côté, ça tombait bien. Il me fallait absolument une guirlande lumineuse, donc je suis allée en chercher une. Les gars, y a plus que les noirs. Moi, je voulais les blanches, sinon ça va faire moche. Et je veux les blanches. Ah, elles sont là. C'est beaucoup trop haut. Je vais tout casser. Ah, mais celle-là, elle fait 20 mètres. Celle-là, elle est mieux pour mon intérieur. Croyez en moi. Je crois en moi. Je crois en moi. Ah. Ah. Non. Oh. 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 Hey, c'est pas bégé ça. Oh, j'en veux. Voilà. Il y en avait une là. Il y en avait une. Juste là. Mais c'est pas grave, j'ai fait du sport. Il y avait quand même le rayon Halloween qui était en place, alors je me suis dit que j'allais faire un tour. Peut-être que j'allais trouver une pépite. Il y avait ces petites citrouilles qui sont en polystyrène, mais je me suis dit que sur la table à manger, ça pouvait bien rappeler l'automne et Halloween qui arrive, enfin Samhain pour moi. Alors ça, je l'ai pas pris, mais je trouvais ça trop mignon, c'est des petits chaudrons en plastique pour aller chercher les bonbons. Et là, la déception s'installe. Il n'y a rien, rien pour l'automne. Du coup, je repars bredouille avec seulement ma citrouille et ma guirlande lumineuse. Je repars tellement bredouille que j'ai décidé de retourner chez Action parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de trucs. Déjà, j'ai pris des thés d'oreiller à couleur un petit peu cuivrée. Puis j'ai trouvé ces mugs vraiment trop mignons, donc j'ai décidé de m'en prendre un petit set parce que vu le nombre de thés et de cafés que je bois, il m'en faut beaucoup plus. J'ai pris ces petits rondins de bois pour faire l'équivalent d'un dessous de verre ou d'un dessous de tasse. Une multiprise, mais ça, rien à voir, il m'en manquait une dans mon bureau. Et j'ai peut-être repris un bouquet. Peut-être. Il est actuellement 13h55. Oula, pourquoi on m'appelle? Non! En fait, le livreur, il est vraiment arrivé au moment où j'étais dans l'ascenseur, en fait. Donc, il me livrera demain. J'ai été faire quelques courses, très vite fait, acheter de la lessive et tout parce que j'en avais plus. Je vais manger ma petite salade, j'ai pas le temps de cuisiner ou quoi, donc petite salade de riz. Et puis après m'être posée un petit peu, on va commencer à faire le ménage et à tout mettre en place. Ça va prendre beaucoup de temps. J'ai reçu mon nouveau colis Ocean's Apart. Donc non, c'est pas un partenariat. Je n'ai pas payé ces vêtements, mais c'est pour un partenariat pour Instagram bientôt. Donc si vous voulez un code promo, guettez mes stories Insta d'ici peu. Mais j'ai quand même envie de l'ouvrir parce qu'il y a un truc que j'attends trop de temps. On va l'ouvrir de l'autre côté, je voulais juste pas que vous voyez mon adresse. En plus, je dis ça alors qu'il y a des vêtements Ocean's Apart qui sont en train de sécher à côté de moi. J'adore leurs vêtements, vraiment. Comment j'ouvre? Mais j'adore leurs vêtements. Je vous le répéterai. Oh, t'es beau toi, petit chat. Je vous le répéterai jamais assez, je ne fais pas de partenariat avec des choses de mauvaise qualité. Donc à chaque fois, je suis trop contente quand j'ouvre des colis. J'espère que il y a ce que je veux. Oui, ça y est, trop bien. Ouais,
J'espère qu'elle est pas trop grande. Non, ça m'a l'air cool. Regardez. C'est une doudoune. Oula, vous êtes... J'espère la couleur, ça va. Hein. Un peu d'importe quoi. C'est une doudoune. Je l'ai prise pour le cheval, en fait, parce que j'ai pas de doudoune pour aller au cheval. Du coup, il y a cette doudoune-là noire. Le seul truc, c'est qu'elle n'a pas de capuche. À moins qu'il y ait une capuche là-dedans et que je le sais pas. Elle a pas de capuche, mais c'est pas grave. Pour monter à cheval, c'est très bien. Je vais l'essayer, tiens. Est-ce qu'elle me va? Ah, elle m'a l'air un peu grande pour monter à cheval. Enfin, longue. Attendez. C'est pas un peu long pour monter à cheval? Non, en vrai, ça va. Normalement, les vêtements d'équitation, ça s'arrête là. Parce qu'on est assis sur la selle, quoi. Sinon, faudrait pas être assis dessus. Mais pour le cheval, c'est trop cool. Parce qu'elle est plutôt légère. Légère, mais chaude. Oh, j'avais déjà chaud. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ah, vous savez l'ensemble que j'ai en 50 000 couleurs. Ah non, c'est un autre? Vous en faites pas, si vous vous commandez sur le site, ils vont pas se tromper. Mais moi, vu que c'est envoyé par la marque gratuitement, etc., des fois ils mettent d'autres choses à la place de ce que j'ai demandé. Et en fait, à la base, je voulais, vous savez, l'ensemble là, avec les hoodies Ocean's Apart, mais en zip. En fait, c'était pour l'équitation. Il n'y a pas de zip. Et oui, les zips, c'est important pour l'équitation parce que quand t'es à cheval, tu vas pas enlever ta bombe pour enlever ton sweat, quoi. Surtout avec mon futur cheval en DP parce que lui, c'est un peureux. Et par contre, de ce que je vois, c'est que c'est pas le même modèle que d'habitude. C'est plus court. Ah, mais c'est parce que c'est une tenue de sport, en fait. C'est pas du tout ce que je disais. C'est une tenue de sport. Regardez, mais moi, mes jambes, elles font 1 mètre. À chaque fois que Ocean's Apart m'envoie leurs produits, j'ai peur. J'ai peur parce que ça m'a l'air tout petit alors que c'est ma taille, quoi. Alors là, c'est du XS. Ça va être trop petit. Ça va être trop petit, Ocean's Apart. Mes jambes, elles font 1 mètre et ça m'a l'air très serré, quoi. C'est quoi, ça? Ah, c'est un set. Ah, il y a la brassière qui va avec. Donc en fait, c'est un set de 3 trucs. Ah. En fait, ils m'ont envoyé ce que j'ai demandé. Je crois même qu'ils m'ont envoyé un truc en plus. Qu'est-ce que j'ai demandé au Ocean's Apart? En fait, si, ils m'ont envoyé tout ce que j'ai demandé. Je suis bête. Je suis mauvaise langue, c'est là. Ah, le voilà. Alors, on a le jogging qui est vraiment... Ce jogging, il est trop bien. Je l'ai en bleu, celui-là. Et il est trop confortable. Ils m'ont bien mis ma bonne taille. S, ouais, c'est bon. Donc j'ai le jogging et le petit hoodie sweat. Donc c'est parfait, je suis trop contente. Bon, du coup je vais laisser ça là en attendant et je vais aller ranger l'appartement. There's a place I sometimes go. Alors j'ai pas du tout fini, en fait j'ai pas le temps aujourd'hui de faire ménage de tout mon appartement vu que j'ai encore les lunes à filmer pour ma story qui est déjà 16h passé. Du coup j'ai fait mon salon qui est tout nickel. Mais alors voilà, ça c'est tous les cartons que je dois aller jeter. Ça, attendez. Voilà, du coup ça c'est les décos qu'on va mettre. Et ça c'est que les trucs que je dois descendre à ma cave. Donc il y a des restes de boissons des 18 ans de ma sœur et beaucoup de vêtements d'hiver. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là toi? Tu viens avec moi.
Enfin, je voulais dire des vêtements d'été, putain. Et puis, je vais pas vous montrer ma cuisine parce que je suis pas non plus... Bref, ma cuisine, je la rangerai demain, mais là, c'est une catastrophe. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va tout d'abord aller éteindre la lumière là-bas. Et je sais pas ce que mon livre faisait là. Et on va commencer à décorer, voilà. Regarde ce que j'ai retrouvé dans mes placards que j'ai littéralement jamais... posé en fait, un petit cerf et une petite lanterne, donc ça va super bien avec mes décos. Dans le premier sac on a la guirlande que je vais poser un peu partout, et de toute manière je pense que je vais pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, hein. La petite citrouille d'Halloween qui a coûté très cher pour le polyester que c'est, mais ah oui, allez, on peut l'allumer en fait. Non, on peut l'allumer, mais elle s'allume de toutes les couleurs. Moi, je voulais pas qu'elle s'allume de toutes les couleurs. Je voulais qu'elle s'allume juste. Bon, bah, j'ai payé ça très cher pour ce que c'est. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redécorer la table. Déjà, on a ces trois petits trucs. Il me faut des ciseaux, en fait. J'ai pas de bougie chauffe-plat à mettre là-dedans, moi. Non. Vous vous rappelez de ça, là? Je vais voir si je peux le mettre dans... ça. Maintenant, on va modifier les coussins. Au final, j'ai mis toutes mes petites décos ici, donc je vais pouvoir disposer un petit peu tout ça. C'est juste, je suis dégoûtée, cette bougie, elle s'est abîmée durant le voyage. Par contre, elles sont super bonnes, elles sont quoi? Mistletoe. Comment je m'organise? Je vais commencer par retirer déjà tout ce qu'il y a ici. C'est un chandelier avec un pentacle. Il est trop beau. J'ai encore jamais utilisé. Encore l'étiquette, on touche un problème avec les étiquettes. Tada! Ça, c'est mon roll-on à l'œil de tigre. Alors, la question c'est, est-ce que c'est de la cire noire ou est-ce que c'est une cire blanche teintée en noir? Ça m'a l'air d'être de la cire noire. Il y en a trop marre qu'il y ait des gens qui nous font des feintes et qui nous font des bougies teintées. Parce que s'il y en a qui sont praticiens de magie ici, vous savez à quel point les couleurs des bougies sont importantes. Il faut que ce soit la cire qui soit comme ça. Pour commencer. Si, c'est une bougie teintée, non! Regardez! Ils nous font des feintes! J'en ai marre. Pourquoi vous servez? Rien du tout. Ça sert à rien les bougies teintées, sachez-le. Pas du tout efficace. Ça, vous voyez, c'est une vraie bougie noire. Oui. Elle, c'est de la cire noire. Et que noire? Pas blanche. Alors, où sont les bougies blanches? Je me disais qu'il en restait. Elle est là. Ouais. On va mettre celle-ci. Avec un petit rondin de bois. Où est-ce que j'ai mis mes rondins de bois? Décidément. Maintenant, je vais faire mes petits bouquets. On a des feuilles, des sortes de petits trucs comme ça. Non, mais il y a des étiquettes sur chacune d'entre elles. C'est pas possible.
Vous avez vu mon petit bouquet? Franchement, ça fait pas... Je suis étonnée quand même de la qualité. Ça fait pas fake, quoi. Ça saute pas aux yeux. Ensuite, on a ces petits trucs que j'avais presque oubliés. J'ai trouvé un autre vase que j'avais qui est le même que l'autre. Hop, j'enlève ça. Oui, j'ai du foin chez moi. Et alors? Très bien le foin. Et ça, je me verrais bien en mettre. Ensuite, on va mettre cette petite bougie ici. Christina, j'adore ta bougie, hein. Mais je l'ai saignée et en fait il en reste plein et je peux plus l'allumer parce que l'oxygène ne passe pas dans les pots. Les gens qui ont fait des bougies comme ça, vous pensez à quoi en fait? J'ai fini de décorer avec tout ce que j'avais, je vous montre après parce que là il faut que je filme absolument les collabs pour les lunes parce qu'il est 17h bien passé et qu'en plus de ça je n'ai pas encore accroché les guirlandes, donc je vais le faire et après je vous montre tout ça. D'abord c'est le moment de faire les collabs, donc moi je vous récupère après. On se rejoint beaucoup de temps plus tard puisque du coup j'ai filmé, j'ai même installé la guirlande. Alors je suis dégoûtée parce que ça fait vraiment jaune quoi, je pense que... En plus, c'est empiré hein, avec la caméra. Et je suis allée voir sur la boîte et en fait, il y avait écrit « extra warm ». Très chaud, ça veut dire les couleurs. Ben là, ça fait jaune, quoi. Moi, je suis un petit peu embêtée. Je vais vous montrer ça parce que ça fait trop jaune pour moi. C'est trop éclairé pour moi, en fait. Je voulais quelque chose de beaucoup plus tamisé. J'ai quand même payé cette guirlande 30 euros. Et j'ai quand même passé presque une heure à l'accrocher, donc je sais pas trop quoi faire. Attendez, je vous montre du coup ma déco. Qu'est-ce qu'il y a là, doudoune? Pourquoi tu t'étales sur la table? Oh! Oh la doudoune! Oh, au moins ça, bah oui! Non. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es revenu. Mais t'as toujours un collier, oui. Ça qui se ramène chez moi. Et le Pookie. Le Pookie qui se cache. Ça va, Bibou? Mais attendez, mais tout le monde se ramène en fait. Bonjour. 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 Du coup, là, il est 19h30. Je vais aller tout simplement me doucher. Je vais me faire vite fait, très vite fait à manger. Peut-être des coquillettes. Ça va être très bien. Il n'y a plus rien d'intéressant. Et peut-être qu'une prochaine fois, je prendrai le temps de vous montrer ma skincare et tout. Mais là, je suis... épuisée de ma journée. Donc non, va pas sentir la bougie, tu vas brûler ta moustache. Un des chats qui n'est pas à moi. Le deuxième chat qui n'est pas à moi. Ah.
Ah, trop cool les gratouilles. Donc je vous disais que ce vlog est maintenant terminé. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir Céleste parce qu'elle avait l'air vraiment très contente de faire ce vlog. Et puis elle a eu des super goûts pour redécorer l'appart. Donc trop bien. N'hésitez pas à me dire si ce genre de petit vlog vous plaît. Et si c'est le cas, je vais peut-être en faire beaucoup plus. Moi je vais off. C'est fini les gens, je m'en vais. Salut. N'hésite pas à liker, à t'abonner, tout ça, à commenter pour l'algorithme, ça nous aide. Ça y est, je commence à ne plus réussir à parler. Je vous fais des gros bisous. Et on se revoit bientôt. Bye bye.